Il y a 10 ans, 4 cultures, 4 entreprises fusionnent pour doter les banques populaires d'une plateforme informatique unique, originale, rationnelle et efficace. Au virage de l'an 2000, l'organisation informatique du groupe Banque Populaire accusait un sérieux retard par rapport au groupe concurrent. Une dizaine de plateformes informatiques différentes étaient recensées dans le groupe. Et donc l'enjeu du projet était de rapidement combler ce retard et de se mettre en situation de doter les banques d'une plateforme à l'état de l'art. Donc ça a été une période de travail intensif pour les sachants, hein, puisqu'il fallait à la fois être à la disposition de nos collègues IBP qui allaient monter en compétence sur la plateforme, et des banques que nous devions former. Une grande expérience parce qu'on était effectivement apprenants, mais également apprenants d'une méthode de travail, c'est-à-dire de migrer des banques et de les fusionner sur un même week-end. Pour nous, le week-end de bascule, c'était un moment presque de détente et de tension en même temps. Et pour moi, ça a été un moment très fort. Pendant les migrations sur la plateforme cible, IBP développe une nouvelle plateforme de distribution. Alors Equinox, souvenons-nous, on est en 2001, c'est la création d'IBP et finalement c'est en juillet 2001 que le conseil d'administration décide de lancer la refonte du poste de travail et du système de distribution des banques populaires et donc Equinox. Alors c'était un formidable défi technologique puisque nous attaquions Java, hein, donc on changeait complètement de technologie dans IBP, un formidable défi de projet. 700 Anéum prévus de développement, on refondait l'ensemble du système de distribution et un formidable défi humain, puisqu'à l'époque, IBP était tout juste créé, donc il fallait apprendre à travailler pendant une fusion d'entreprises et apprendre à travailler sur plusieurs sites, sur un projet qui était d'ampleur majeure. C'est l'enthousiasme qui présidait à ces travaux, l'ambition aussi. On était 4 ou 5 à travailler et à décider sur les choix en fonction aussi des besoins des autres banques, puisque la grande difficulté de l'époque, c'était aussi de satisfaire tout le monde. Après un passage à l'euro sans encombre et des premières migrations réussies, 2003 est l'année de tous les dangers. Je suis arrivé en novembre 2003, après une vingtaine d'années dans le monde des services d'infogérance, et je brûlais d'envie de vivre l'aventure IBP. Ma première impression, ça a été d'arriver dans une véritable ruche, en pleine ébullition, avec des projets de migration qui se succédaient à un rythme effréné dans une entreprise en pleine construction. Alors mon premier bizutage, ça a été la crise informationnelle, où entre novembre 2003 et janvier 2004, on a dû remettre en service la nouvelle plateforme informationnelle dans la douleur, mais globalement on y est arrivé. La première vague de migration est terminée. Le plan d'assainissement ramène la qualité de service attendu. Avec ses clients, IBP fête l'aboutissement de cette première étape. La centralisation des mainframes poursuit le mouvement de rationalisation des moyens de l'entreprise. Alors voilà, déjà on rappelle le contexte, on sort d'une migration difficile, voire éprouvante, avec la bascule des banques de Versailles sur le nouveau SI IBP. Et là on apprend fin 2002 qu'il y a un nouveau projet qui va s'intercaler avec la décision de déménager les mainframes de tous les sites sur le site parisien de Logne. Globalement, au niveau de l'activité infogérance, avec mes équipes, on devait faire face à 3 enjeux majeurs. Le premier, industrialiser l'ensemble des services d'infogérance. Le deuxième, instaurer une véritable culture du sens du service. Le troisième, faire que les équipes IBP soient fières de leur activité d'infogérance avec un formidable terrain de jeu. La maîtrise d'ouvrage est internalisée, tournant majeur pour l'avenir. Septembre 2005, j'assiste au premier pas de la maîtrise d'ouvrage au sein d'IBP, avec 2 objectifs. Permettre une accélération des décisions en favorisant la convergence entre les banques et accélérer l'alignement du système d'information avec la stratégie de groupe. Il est arrivé des semaines où on a attendu la livraison de l'informationnel. Les problèmes de chargement étaient très très compliqués au début, ce qui faisait que les bases qui étaient censées être disponibles pour les utilisateurs tout de suite derrière les week-ends
à un certain nombre de reprises sont avérées très très compliquées à charger et donc très très souvent indisponibles pour les utilisateurs. Les choix matériels des premières années ne sont pas avérés des plus efficaces. Donc on a donc été obligé à la fin des années de 2005 de revoir et de redéployer l'ensemble du dispositif sur un nouvel environnement matériel qui depuis a donné satisfaction. Mon ambition en arrivant à IBP en 2006, c'était de faire d'IBP un leader, un très grand professionnel, perçu en tant que tel par ses clients, les banques populaires bien évidemment, et tant dans le métier de l'édition logicielle que dans le métier de l'infogérance. Pour bien sûr sa performance économique, pour la qualité de son fonctionnement, mais aussi pour sa créativité. C'est la première idée. La deuxième idée, c'était d'en faire une entreprise agréable, agréable à vivre, dans laquelle qu'il soit convivial, si vous voulez. Puis la troisième idée, c'était de fabriquer des relations sociales de bonne qualité parce que, comme il allait falloir provoquer quelques changements dans l'entreprise, il fallait qu'on puisse s'écouter et se comprendre. IBP est confronté à un problème démographique. Les premiers déménagements commencent. En septembre, les banques découvrent vente de crédit immobilier. En quelques années, IBP a acquis assurance et expertise. La fébrilité des débuts fait place à la maturité. IBP veut se projeter dans l'avenir. Donc à l'époque, j'ai choisi de lancer un plan moyen terme dans IBP parce que depuis l'origine de l'entreprise, c'était les migrations qui faisaient en quelque sorte la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est elle qui conduisait l'entreprise, était le juge de paix des résultats, d'accord ? Il était nécessaire de mettre l'entreprise dans un autre cycle. C'est d'ailleurs cette idée de maturité, de redonner du sens et se redonner un peu de temps, un peu de sérénité. Huit ans après, et quelques crises mémorables, Sasser en 2006, Cyber, la plateforme Internet, qui a eu des vapeurs en janvier 2008, puis bien évidemment McAfee plus récemment en 2010, où il a fallu bâtir un plan de crise pour se sortir de cette situation entre 2h du matin et 5h du matin. Globalement, on a eu des résultats très encourageants sur la qualité de service, notamment après le plan de rétablissement conduit en 2004-2005, et surtout progressivement avec le fruit des actions d'industrialisation conduite depuis sur l'ensemble des domaines de service. Alors la qualité de service d'IBP, je l'apprécie tous les matins en ouvrant mon poste de travail. C'est là que je vois un beau soleil, ce qui veut dire que tout s'est bien passé dans les traitements de la nuit et qu'on est prêt à entamer une nouvelle journée. Alors ça, c'est le fruit du travail qui a été fait entre IBP et les banques pour élaborer les contrats de service avec un bon pilotage des indicateurs de qualité. En 2007, notre productivité sur les projets nouvelles technologies n'est pas au niveau de la profession. Un plan d'envergure est lancé en juin 2008 pour la doubler. Fin 2009, tous les collaborateurs auront emménagé dans leurs nouveaux locaux. Dans les années 2009, on a lancé de beaux projets. Pour la plupart orientés efficacité commerciale, donc à destination de nos collaborateurs du réseau. Je citerai le CRM, la facturation, l'archivage numérique et la refonte de l'ensemble des sites CyberPlus. Année Albireo. Le data center est complètement opérationnel mi-juillet. Trois années de projet, de la construction au déménagement. IBP est une très belle entreprise, attachante, exigeante aussi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger cette entreprise et que les collaborateurs d'IBP m'ont offert quatre magnifiques années. Et je voudrais les remercier pour ça.